Effrayée par l'ampleur de la pêche au cyanure, la Calypso gagne le détroit de Malampaya, un estuaire qui était si riche en vie marine qu'on l'appelait le vivier de la nation. Les pêcheurs convergent sur Palawan, où les stocks ont la réputation, au moins à court terme, d'être plus abondants. 70% des Philippins ont moins de 15 ans. C'est un trésor d'espoir, mais en ce qui concerne les besoins, une bombe à retardement. Ici, la pêche artisanale contribue pour moitié à l'alimentation. Avec Porfirio Castaneda du département philippin des ressources naturelles, l'équipe rencontre un groupe de pêcheurs.